ce qui m'a motivé aussi à revenir ici, c'est que je connais aussi l'environnement. Je connais un peu les joueurs qui sont déjà dans cette équipe. Et c'est vrai que on a aussi l'objectif de remonter en Pro League. Moi, c'est un objectif aussi que j'ai. Donc voilà, on va tous tirer dans le même sens. Je pense qu'on aura une belle équipe la saison prochaine. Et moi aussi, en particulier, le club de Caen a la chance aussi de faire ma reconversion. Ça m'aide beaucoup et voilà, je vais aussi retrouver beaucoup de temps de jeu que je vais partager. Oui, après voilà, tout le monde ne connaît pas le contexte. Voilà, on est monté en D1. Après voilà, moi je suis satisfait de monter en D1 avec le club de Limoges. Ça reste historique, c'est la première fois qu'ils accèdent à ce niveau. Donc j'en suis fier et surtout avec le groupe avec lequel on est monté et même l'année précédente, tous ceux qui ont travaillé pour ce projet, le staff, les bénévoles, le club, tout ça, voilà, j'ai rencontré vraiment des belles personnes là-bas. Donc voilà, après voilà, toutes bonnes choses ont une fin, mais voilà, moi il fallait que je passe à autre chose, que je retrouve vraiment du temps de jeu pour m'épanouir dans l'handball. Oui, c'est vrai que je vais sûrement être attendu, mais voilà, je pense qu'on va avoir aussi une belle équipe, il y aura de belles choses à faire ici à Caen. Et je reviens aussi parce que voilà, je connais quelques joueurs, je connais un peu l'environnement où je vais évoluer. Je reviens aussi dans cette ville que j'ai toujours appréciée. Et voilà, je me dis si je peux donner aussi un coup de pouce. Et voilà, j'ai envie qu'on remonte en Pro League avec Caen. Et je pense que c'est la prochaine saison où on pourra le faire.